بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلمناه من لدنا علما وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أرمسي الله سبحانه وتعالى Seigneur de l'univers, Allah qui a créé tout à base de rien, nous le louons pour nous avoir donné la vie jusqu'aujourd'hui où notre jeûne, le soir venu, serait égal à 20. Nous louons Allah qui nous a donné la santé, l'endurance jusqu'aujourd'hui. Nous le louons aussi encore, nous le rendons grâce pour les jours à venir, les 10 ou 9 jours qui sont devant nous encore dans ce mois béni de Ramadan. Nous l'implorons de pardonner nos péchés, de nous faire miséricorde, de nous compter parmi ceux-là qui seront sauvés ici-bas et à l'au-delà le jour du jugement dernier. Qui nous compte parmi ceux qui vont rentrer au paradis, c'est pourquoi nous sommes en train de prier, jeûner, faire la zakat, aller au pèlerinage, obéir à ses commandements. Ensuite, nous demandons à Allah de faire la paix sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de faire la miséricorde sur la famille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et tous les musulmans qui essayent à leur capacité de travailler au rehousse de l'islam et à l'épanouissement des musulmans jusqu'au jour du jugement dernier. Après cela, chers frères dans la foi, nous remercions Allah que nous sommes ensemble encore aujourd'hui autour du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans les derniers, nous entamons, si je veux bien dire, les derniers jours de Ramadan. À partir de ce soir, les gens vont commencer à faire le tahajjud, à se mettre debout, à prier Allah subhanahu wa ta'ala, à lire le Coran et le Kérim. Même si les mosquées sont fermées encore, il est demandé au papa et la maman et leurs enfants de les réveiller, de prier ensemble dans leur maison. Car le prophète a dit dans ces 10 derniers jours,
nous devions chercher la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et Laylatul Qadr, c'est une nuit, si ça nous trouve en adoration et Dieu accepte notre adoration, on aura la récompense de celui qui a adoré Allah pour 83 ans et poussière. Donc, il est recommandé aussi, comme le prophète dit, cherchez-le dans les 10 derniers jours, surtout encore dans les impaix. Les impaix de ces jours, à partir d'aujourd'hui, c'est 21. Après, c'est 23, 25, 27 à 29. Ces impaix, il est demandé de réveiller même les enfants, hein, qui n'ont même pas encore l'âge de puberté, de les réveiller, qu'ils soient en éveil, en adoration, parce que la bénédiction s'y trouve comme le prophète Mohammed nous a conseillé. Donc, nous exhortons déjà les musulmans de se préparer à faire face à cette miséricorde, à invoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala, à faire beaucoup de doigts, surtout Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, de répéter cette formule, cette invocation à partir d'aujourd'hui, rijalan wa julusan, que les gens marchent, ou vous êtes assis, vous êtes en groupe, vous deviez vous rappeler dans la journée de dire Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, qui veut dire ô Seigneur, tu es le grand pardonneur, c'est toi qui effaces les fautes. Fa'afu 'anna. Alors pardonne-nous et efface nos fautes. Parce que nous sommes en train d'aller vers la fin. Si vous n'avez pas d'autres invocations que ça, fabarakallahu fi. Donc, même si on se réveille dans la nuit pour faire l'adoration debout, lorsque vous avez fini 2 rakas, 4 rakas, 7, 10 rakas, vous vous asseyez toujours. Vous continuez avec cette formule de Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le jour de la fête. Nous sommes toujours dans le terme Suratul Anbiya. Surat, les prophètes. Aujourd'hui, nous allons commencer là où nous sommes arrêtés, inshallah, la semaine dernière, qui est le 86e et 7e verset où Allah dit وَذَنُّون إِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ Subhanaka inni kuntu minadh-dhallimin. Wa dhannuni idh-dhahaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدن به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بسم الله الرحمن الرحيم وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نوجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à travers le Coran al-Kerim. Nous avions la semaine passée terminé de parler du récit de Suleyman, un roi puissant qu'il est. Il a hérité son père Daoud, qui était roi puissant, mais Suleyman a hérité son trône et Allah lui accroître puissance sur puissance. Aussi puissant qu'il est, avec les djinns qui travaillaient avec lui, Allah a montré là que les hommes, nous sommes plus forts que les djinns, les diables. Les hommes peuvent commander les diables. Suleyman les a commandés. Et les gens pensent que les diables ont une puissance et que c'est à travers eux que la royauté de Suleyman était si forte et large. Et Allah, à la fin de la vie de Suleyman, a prouvé cela que c'était faux. Les djinns ne connaissaient rien plus que les hommes. Les hommes étaient aussi même aussi puissants que les plus puissants que les djinns. Plus que si les hommes, le jour où Suleyman alayhi salam est mort, il les a recommandé de construire, de casser la montagne, de faire les briques à travers cette montagne pour construire un palais. Et il était assis sur la chaise, le menton sur sa canne, en train de les regarder. Mais les djinns travaillaient devant leur patron, devant leur roi, croyaient qu'il était encore là, alors qu'Allah lui avait déjà retiré l'arme. Ils ont continué à faire ce travail, n'eût été le petit insecte, l'insecte, qui est venu manger la canne de Suleyman, les termites, qui est venu manger ça. Et lorsqu'il a mangé, il a coupé la canne, Suleyman est tombé. C'est là où ils ont su que Suleyman était mort. Et Allah dit dans le Coran, si vraiment vous les hommes, si les djinns, les diables avaient la connaissance de ce qui était caché, mais comment ne savaient-ils pas que Suleyman était déjà mort? Ils n'avaient pas la connaissance qu'il était mort. Ils ont travaillé des jours et des jours, Suleyman était assis en train de les regarder alors qu'il était déjà mort. Donc cela pour nous prouver que
les djinns ne connaissent rien du cachet d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est ils sont invisibles à nous. Donc adorer ces djinns, c'est interdit. Quoi qu'ils ont une force à chercher, c'est interdit. Donc nous avions vu aussi la semaine dernière que la réponse à la parole des juifs qui dit que c'est Suleyman qui a fait de la magie. Allah a donné la réponse dans le Coran Al-Kerim que Suleyman n'a jamais enseigné la magie, mais ce sont les djinns qui ont pris sa place dans le laps de temps qu'il a laissé son palais. C'est eux, incapables de faire ce que Suleyman faisait, qui ont commencé à enseigner les gens la magie et ont laissé les textes pour dire que c'est Suleyman. Alors, après le récit de Suleyman, nous sommes allés chez le prophète de Dieu, Ayoub, qui a été éprouvé avec la maladie. Il a perdu tous ses biens. Mais devant la patience et le doigt, l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu la santé et lui a rendu tout ce qu'il a perdu. Pour dire encore là aux musulmans, aux croyants, que quel que soit notre niveau ici-bas, et qu'on le perd, alors il faut s'armer de doigts, il faut s'armer de l'invocation et de la patience et de l'endurance. Allah va ramener ce que nous avions perdu dans l'histoire de Sayyidina Ayoub, le prophète de Dieu Ayoub. Ensuite, nous sommes allés voir aussi Ismaïl, fils d'Ibrahim, et Idriss, et Zalkifl. Allah nous a dit tous, ce sont des patients, pour nous dire de patienter. Ensuite, maintenant, nous sommes rentrés, bien sûr, à la semaine dernière, dans l'histoire de Younous, le prophète de Dieu, que le poisson a avalé. Allah dit, « Wadhanoun, idhahaba mughadiban, parlez aux musulmans, récitez-les, l'histoire de Younous. C'est pas parce qu'on se croit l'homme de Dieu qu'on est appelé à tout faire. Nous devions toujours attendre la permission et la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'histoire de Younous, nous avions expliqué ici la semaine dernière, pour ceux qui nous suivent, que il a passé le message de Dieu à son peuple, à savoir adorer Allah dans son unicité, ne pas adorer les idoles, faire du bien entre eux, s'aimer entre eux, et ils ont refusé. Durant des années, il a parlé de Dieu et ils ont refusé. Alors Allah lui a dit, « Dis à ton peuple que dans quelques jours, le châtiment d'Allah va descendre. » Et Allah lui a donné les signes qui devaient faire attention si ces signes arrivent, qu'ils sachent que le châtiment d'Allah ne reste que 3 jours. Alors, le prophète de Dieu, fâché, Mughadiban, fâché, ce n'est pas contre Allah, mais contre son peuple, que je vous ai parlé de Dieu, je vous ai averti assez pour que la colère d'Allah ne descende pas. Mais vous m'avez traité de menteur, vous avez traité le message d'Allah de mensonge. Maintenant, le châtiment d'Allah est là. Et il les a laissés, il a dit, attendez, le châtiment va vous trouver et je ne serai pas là. Allah a dit, il a quitté son peuple fâché contre eux. Alors, Favonna Allah dit, il croit en partant, il a pris la mer. En partant, il croit que nous, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous n'avions pas la capacité sur la mer, à venir l'attraper sur la mer. Alors il est parti. Fanada. Fanada fi zulmati Allah. Ah, fi zulumat. Fanada fi zulmati. Fi zulumat. Fi zulmati Allah ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu mina zalimin. Allah dit, lorsque nous l'avions rattrapé,
Le châtiment d'Allah, effectivement, derrière lui, quand il est parti, les signes sont arrivés. Alors son peuple, c'est les nations, depuis le temps, qui ont cru ensemble, où personne n'est resté. Ils se sont dit, ah, les signes qu'il nous a dit sont arrivés. Et voilà, l'homme de Dieu est déjà parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont assemblés et ils ont accepté tout ce qui les est dit. Ils ont commencé à demander pardon à Allah. Alors, lorsque le châtiment est arrivé, Allah a eu pitié d'eux. Allah les a pardonnés. Et il a dit au châtiment de rattraper Younous sur la mer. Mais je disais ici, tout cela aussi, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que quand on est dans un pays et que l'épreuve arrive, ne fuyez pas de ce pays-là. Restez dans le pays là où vous êtes. Que tu sois homme de Dieu, tu parles aux gens, ils n'écoutent pas. Ne te fâche pas et les laisser. Attends toujours la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète Mohammed, il a fait pendant qu'il était à la Mecque, aux 13 premières années qu'il a fait. Quand Allah l'a envoyé, il a continué à parler aux hommes de la Mecque. Ils ont continué à le malmener, à le traiter de menteur, à le traiter de fou, à le traiter de magicien, à le traiter de tout. Mais jamais il les a laissés. Quand ils ont infligé le mal aux croyants, à ceux qui ont cru au prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux croyants, est-ce que vous ne pouvez pas aller l'autre côté là-bas, peut-être que vous allez trouver la paix parce que le châtiment là que les gens nous infligent est trop. Mais lui-même, prophète Mohammed, il est resté dans son pays attendant la décision de Dieu. Il n'est jamais parti sans la décision de Dieu. Alors que le prophète ici, prophète Younous, il est parti bidounu idhni min Allah. Allah ne lui a pas dit de partir. Donc, c'est cela qu'Allah nous dit ici. Nous, les croyants, vous êtes dans un pays où il y a quelque chose qui se passe. Restez, priez Dieu jusqu'à ce que ce mauvais vent s'en va. Naam. Allah dit, lorsque le châtiment l'a rattrapé sur la mer et le bateau où il était avec les gens a commencé à basculer, les vagues ont commencé à s'élever à inhabituel, alors lui-même, et il dormait, pendant que le bateau, tous les gens criaient, Younous dormait, et les gens l'ont réveillé que, ah, l'homme de Dieu, voilà, ça ne va pas, et lui-même, il a compris, il a dit, non, c'est moi, le pécheur qui est dans le bateau, j'étais moi dans le bateau, dans la mer. Alors, Allah a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le prophète de Dieu s'est jeté dans la mer, il dit, c'est moi, si je tombe déjà dedans, vous tous, vous serez sauvés. Ok? Alors, il est rentré, il a sauté dans la mer. Allah a demandé à un grand poisson d'aller l'accueillir et de l'avaler. Et de ne jamais le faire du mal. C'est dans d'autres sourates, les explications en tout détail. Mais nous allons aller très vite parce qu'on est déjà passé par là. Et ce poisson l'a avalé. Allah lui a dit de ne pas le blesser. Et le poisson l'a pris et l'a amené sous la mer là-bas. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit lorsqu'il s'est vu dans cette prison, dans cette situation, qu'est-ce qu'il a fait? Fanada. Fanada. Il a crié au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est référé encore à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Il a péché. Ok? Allah a décidé de le tirer un peu les oreilles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers Allah. Donc nous-mêmes, nous sommes ici-bas. Si on rentre dans un problème, il n'y a pas à se fâcher contre nous-mêmes. Il n'y a pas à se fâcher contre quiconque. Nous revenons vers Allah avec les doigts. Le prophète, il a dit, les invocations
sont c'est l'âme est redoutable du croyant. Devant tout obstacle, tu pries Dieu, tu invoques Allah et Allah va te répondre. Et lui, son invocation, c'était quoi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Une précision ici, Allah dit fanada fi zulumat. Il a commencé à appeler Allah dans l'obscurité qu'il était. Où qu'on soit, Allah nous voit. Qu'on soit en prison, qu'on soit où, Allah nous voit. Allah dit ici que dans l'obscurité qu'était le prophète Younous, il criait Allah subhanahu wa ta'ala et il disait La ilaha illa ant, il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est toi Allah. Subhanak, gloire à ton nom. Inni kuntu minal zalimin. C'est moi l'injuste et je te demande pardon. Naam. Fastajabna lahu. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm. Allah dit ainsi, dès qu'il nous a appelé, fastajabna lahu. Fastajabna à la minute, il nous a appelé, alors nous avions répondu à son appel. Wa najjaynahu minal ghamm. Et nous l'avions sorti dans ce problème, dans cette tristesse, dans cette grande prison qu'il était, nous l'avions sorti dedans. Wa kadhalika nunji al-mu'minin. Voilà, Allah répète, wa kadhalika. De même que nous avions fait à Younous, ce n'est pas parce qu'il est prophète de Dieu. Kadhalik, de la même manière. Il nous a appelés, il a péché, il nous a appelés, nous avions répondu kadhalika. De la même manière, nunjil mu'minin. C'est comme ça aussi que nous sauvons les croyants lorsqu'ils reviennent vers nous. Donc, il est temps que nous revenions vers Dieu encore pendant ces 10 derniers jours de Ramadan. Nous devions prier beaucoup Allah pour notre pays, le Gabon. Pour ceux qui résident à partir du président de la République, les ministres, jusqu'au dernier ménagère, dame de chambre, nous-mêmes, nous devions prier Allah subhanahu wa ta'ala. Musulmans, non-musulmans, nous devions prier pour notre pays afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. C'est une chose. D'être depuis 2 mois dans ces problèmes, mais c'est une chose aussi de penser à l'économie de notre pays. Parce que si la puissance de Souleyman en tant que roi nous a été déclarée par Allah ou Allah dit, c'était un roi puissant. C'est parce qu'il y avait la richesse. Allah a dit qu'il avait les diables qui travaillaient pour lui, les sous-marins, qui le ramenaient toutes les richesses qui étaient sous la mer. C'est à travers ces richesses son royaume est devenu puissant. Ok? À travers les montagnes, qu'il extrait de ces montagnes les richesses. Mais si nous sommes restés 2 mois sans rien faire, et l'État sort l'argent, ils sortent leur puissance pour aider. Après, il y a des conséquences de l'économie sur l'économie. Donc, nous devions aussi prier les imams, les pasteurs. Nous devions prier beaucoup que l'économie de notre pays ne prenne pas un coup. D'ailleurs, nous avions déjà perdu le pétrole qu'on croyait qu'on était riche. Avec le pétrole. Le pétrole est devenu égal au pain que nous payons déjà, qui ne coûte rien. Alors, on se débrouille là déjà avec le bois, etc. Et voici encore le corona ou bien COVID-19 qui vient frapper dans le monde. L'économie, du coup, peut prendre un coup.
Nous, on ne connaît rien que lire notre Coran et le Kérim, traduire, mais nous savions que là, ça peut prendre un coup. Alors, nous sommes au moment où nous devions appeler Allah subhanahu wa ta'ala de nous venir en aide. الشوق طال والقلب سما نحو السماء.